Bah, expliquez-nous quel est le problème tout simplement autour de ces ATSEM, notamment avec des inquiétudes pour la rentrée prochaine. Alors nos inquiétudes, nous parents d'élèves de Commenterie, des écoles maternelles, c'est la diminution du temps des postes d'ATSEM sur pour l'instant deux écoles, l'école du Bourbonnais et l'école du Bois, et j'imagine à terme les autres écoles maternelles de Commenterie. Jusqu'à présent, nous avions la possibilité d'avoir une ATSEM par classe en maternelle. Le maire, il y a quelques temps, souhaitait mettre deux ATSEM pour trois classes. Suite à différentes interventions, nous sommes à deux ATSEM et demi pour trois classes. Pour nous, de toute façon, cette avancée n'est pas suffisante. Les ATSEM, en fait, sont avec nos enfants du matin au soir. Elles sont avec la maîtresse, le seul adulte à les connaître parfaitement, à les encadrer tout au long de la journée, de la pause périscolaire du matin à celle du soir en passant par la pause méridienne. À Commenterie, on a la chance d'avoir des écoles maternelles de qualité, reconnues au niveau de l'inspection académique. On n'a pas envie de perdre sur cette petite commune cette qualité-là. Donc pour nous, c'est très important qu'on maintienne le nombre de personnel nécessaire à la qualité de l'encadrement, à la qualité de l'éducation. À Commenterie, depuis le début de l'année, les parents d'élèves ont été beaucoup mobilisés parce qu'on a déjà perdu beaucoup de choses au collège sur les fournitures scolaires, ensuite sur les tables qui sont organisées à minima. On ne veut pas en plus maintenant perdre du personnel de qualité auprès de nos enfants. Donc on s'est mobilisé, on a été suivi par d'autres écoles qui jusqu'à présent ne sont pas concernées, à notre grande surprise. Donc quatre écoles soutiennent ce mouvement. Une pétition en ligne a été signée par plus d'une centaine de personnes, je crois actuellement. On a déjà plus de 500 signatures en faisant simplement les sorties d'école. Donc on va, je pense, dans les semaines à venir, si monsieur le maire et le conseil municipal ne reviennent pas sur cette décision, continuer à faire signer notre pétition, la faire passer chez les commerçants, la faire passer sur le marché. Voilà, parce que pour nous, il faut vraiment investir sur l'éducation et pas simplement sur les bâtiments. Nos enfants, c'est important et on compte soutenir notre revendication jusqu'à la rentrée prochaine et être très attentif à ce qui va se passer.